On a parlé de l'agressivité, de l'intensité que les Nîmois vont mettre demain au Parc des Princes. Est-ce que du coup, vous êtes tenté de laisser au repos un peu des joueurs qui ont beaucoup joué ou qui ont quelques pépins physiques, même si c'est pas grave, de les laisser au repos parce qu'en face, on aurait une équipe un peu plus agressive? Non, pas grâce à notre adversaire, mais grâce à notre... notre workload, il y a des joueurs qui ont joué maintenant 5, 6, 7 matchs d'affilée. Et on doit être attentif, on doit gérer les minutes de ces joueurs. Et on a parlé avec les kinés, avec le docteur hier, on fait ça encore avec le kiné et le docteur aujourd'hui avant l'entraînement. Après ça, on regarde les joueurs pendant l'entraînement, on parle avec eux et on doit décider après. Mais c'est difficile, mais ce n'est pas à grâce d'un certain adversaire, c'est seulement de faire des choses qui sont nécessaires pour protéger les joueurs. Coach Isabelle Gracien d'InfoSport 75. Voilà, cela fait un peu plus de 6 mois que vous êtes l'entraîneur du PSG. Que pensez-vous que vous avez apporté aux joueurs et que pensez-vous que les joueurs vous ont apporté? J'apprends chaque jour. C'est une chose que je veux et c'est à mon avis absolument nécessaire que j'apprends chaque jour et j'utilise chaque jour pour apprendre. Et avec des joueurs ici, c'est exigeant mais aussi facile. Il y a des grands joueurs avec beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de talent, il y a des jeunes joueurs jeunes. Et c'est très bien pour moi pour apprendre. Et oui, je ne sais pas si... qu'est-ce que je leur apporte, c'est pas à moi de parler de moi, c'est embarrassant. Ils ne sont pas ici de parler de moi, ils sont ici de parler de l'adversaire ou tactiquement ou des joueurs. Bonjour coach, Vincent Vanibranche pour InfoSport Plus. Vous avez fait un très bon match contre Manchester United, vous avez gagné 5-1. Match précédent sans des joueurs importants. Comment faites-vous pour maintenir la motivation de vos joueurs au maximum? Là, vous allez jouer contre Nîmes. Comment faites-vous pour maintenir cette motivation? Peut-être on doit accepter que la tension avant un match. Que Liverpool, avant un match que Étoile Rouge, avant un match que Manchester, c'est pas la même tension qu'avant un match contre Montpellier au Parc ou pas un match. C'est pas la même tension avant un match contre Nîmes. On doit accepter. C'est pas que nous sommes arrogants ou c'est pas nécessaire. Non, c'est seulement différent. C'est absolument différent et c'est normal. Mais je ne veux pas dire nous sommes concentrés dans cette match et nous jouons très très fiable et très sérieux et j'aime beaucoup ça parce qu'on vit ça chaque jour et ça c'est la façon que j'aime et que lequel je crois. Et oui, ça c'est la façon. Et aujourd'hui c'est entraînement et demain on va préparer Nîmes et on prépare dans la même façon que contre Manchester. Mais on doit accepter que pour les gars c'est différent s'ils jouent à Lyon contre Lyon ou à Saint-Étienne ou à la maison contre Nîmes. Tous les matchs sont différents. Et si demain je joue un joueur jeune, il sent beaucoup de pression. Et peut-être un joueur avec beaucoup d'expérience, c'est pas la même tension. Et on doit accepter ça. Mais c'est pas une chose d'être pas sérieux ou donner pas tous. Non, c'est pas comme ça. On donne tous et je demande tous.
Je demande qu'on joue avec intensité et nous sommes prêts pour gagner. Et c'est pas facile, hein. On peut avoir l'impression, après on sent quand, c'est facile, non, c'est jamais facile. Et ce sont les gars qui montent. Cet état d'esprit et cette mentalité chaque 3 jours, c'est vraiment incroyable, c'est exceptionnel, j'aime beaucoup ça. Et oui, on vit ça chaque jour, d'être prêt, d'être sérieux, d'être à l'heure et être préparé contre Nîmes, contre Dijon, nous sommes préparés. Et c'est pas qu'on va jouer et on va gagner, non, je veux qu'on gagne. On a le meilleur joueur, c'est clair, mais je veux qu'on gagne parce que nous sommes la meilleure équipe. Ça, c'est important pour moi et pour ça, on doit jouer ensemble. À côté du Parisien, vous parlez de fiabilité de certains jeunes joueurs. Colin Dagba joue beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement chez lui? Quelles sont ses caractéristiques techniques qui font qu'aujourd'hui, il rentre dans une rotation assez fréquente? Oui, je ne sais pas si c'est très intelligent de moi, mais de dire ici, mais j'aime Colin Dagba, vraiment. C'est un garçon incroyable. Il est absolument fiable. Il fait entraînement chaque jour avec le même niveau, avec le même état d'esprit. Il fait très très bien, très très bien. Et il est un top remplaçant, comme ça, en ce moment. Il a la qualité de commencer. Mais avec ces blessures musculaires, beaucoup de blessures musculaires pendant les derniers ans, je suis très attentif et très attentif, prudent avec lui. Et maintenant, il est un remplaçant très important pour nous. C'est très fiable dans presque chaque position. Il a joué à gauche à Manchester pendant les 3 contre Montpellier. Et il fait entraînement avec beaucoup de qualité. Il est très très vite, très très vite. Il est techniquement très fiable. Il peut protéger les ballons, il ne perd pas de ballons faciles, il a une bonne lecture du jeu. Oui. Il apprend bien dans le rondo, dans le jeu de possession, dans l'entraînement, il apprend beaucoup. Et c'est bien parce qu'il a vraiment la mentalité pour apprendre. Il est chaque jour fiable pour nous, c'est top. Vous avez joué première minute en Ligue des Champions à Old Trafford face à Manchester. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et deuxième question, il y a Thomas Tuchel qui a fait une déclaration d'amour en disant qu'il vous aimait beaucoup pour de multiples raisons. Quelles sont vos relations justement avec l'entraîneur allemand? Merci beaucoup. Bonjour. D'abord, par rapport au match de Manchester, c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi. Honnêtement, je ne pensais pas rentrer dans un match comme ça, parce que c'était un grand match déjà, avec un grand enjeu, pardon, et surtout à Manchester. Mais je travaille tous les jours à l'entraînement, j'essaie de donner le meilleur de moi-même, c'était bénéfique pour moi. Et par rapport au coach, c'est sûr qu'on a une bonne relation. En ce moment, il me fait beaucoup confiance. Et c'est grâce aussi à ça que j'ai pu rester à Paris cet hiver. J'ai été sollicité, mais je préfère rester aussi par rapport au coach. Bonjour Colin, et puis t'agis comme midi. Une question par rapport à la gestion de la pression pour parler sur Germain, est-ce que tu la sens au quotidien? Et comment est-ce que tu arrives en tant que jeune joueur prometteur à gérer cette pression? Bah, la pression, elle est là quotidiennement parce que quand on est dans un club comme Paris, c'est sûr qu'il faut gagner le plus de matchs possible. Mais avec des joueurs de classe mondiale, c'est un peu plus facile de la gérer. Ils nous aident, ils nous parlent beaucoup. Et pour un jeune comme moi, c'est plus simple. Vous vivez votre première saison en tant que professionnel avec le PSG. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Quel joueur vous êtes aujourd'hui que vous n'étiez pas l'été dernier?
en quoi vous avez progressé avec le club. On va dire que je suis toujours le même joueur, mais, sauf que maintenant je m'entraîne avec des stars et j'en apprends vraiment tous les jours. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable pour un jeune du centre de formation de pouvoir les fréquenter quotidiennement. Et donc, ouais, c'est toujours intéressant. Colin, ici en haut, tu dis que tu t'entraînes avec des grands joueurs depuis que tu es dans le groupe professionnel. Ça fait quoi de travailler avec des joueurs du calibre de Thomas Meunier ou Dani Alves à ton poste? Ouais, c'est quelque chose d'incroyable. J'essaye personnellement de les regarder ce qu'ils font à l'entraînement, regarder ce qu'ils font en match. J'essaye un peu de les imiter, mais toujours en gardant mon jeu. Et c'est toujours quelque chose de bénéfique pour moi.